Un autre gala de fin d'année de l'association Karma Valley. Je vais vous donner quelques informations concernant la vie de l'association, ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je le fais maintenant, comme ça après on passe au spectacle. Donc, vous avez juste sur la pièce à côté, là où vous êtes rentré, des informations, des petits flyers, notamment sur les stages d'été qui vont se dérouler au mois de juillet. Ensuite, un petit peu avant, vous avez des informations sur la représentation de théâtre qui aura lieu à la Ruche le 29 juin prochain. C'est une participation libre. Ce ne seront pas les élèves de danse, mais les élèves de théâtre qui, cette fois-ci, vont présenter leur spectacle de fin d'année. Et puis, on revient encore un petit peu plus tôt dans le mois de juin. Nous serons en porte ouverte du 19 au 1er juillet. Porte ouverte veut dire que vous aurez la possibilité de venir voir vos enfants dans les cours, ce qui veut bien dire que les cours continuent jusqu'au 1er juillet, mais aussi la possibilité, si vous le souhaitez, vous-même ou des autres enfants, de pouvoir découvrir une activité de votre choix. Vous avez le nouveau planning qui est là, il est disponible, il est affiché à l'entrée si vous souhaitez le regarder pour l'année prochaine. La fiche d'inscription qui est à votre disposition, vous pouvez partir avec. Et puis courant de la semaine prochaine, je pense à partir de mercredi soir, vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet, donc la fiche d'inscription, le nouveau planning et bien sûr les portes ouvertes. Vous avez la possibilité, si vous avez encore envie de sortir, de voir des spectacles, de venir dimanche prochain à La Ruche. La Ruche organise un marché de l'artisanat, de la création associée à la musique. L'entrée est totalement libre. Donc si vous avez envie de passer un dimanche, soit matin, soit midi, rencontrer des artistes, des artisans locaux, parce que ce sont vraiment des gens qui sont ici dans nos communes, n'hésitez pas. Et vous avez aussi le spectacle de l'EPAS. L'EPAS, c'est l'école professionnelle des arts de la scène, avec qui nous vous partageons La Ruche à l'année, qui propose son spectacle de fin d'année, un spectacle très rythmé, très jazz, très blues, qui nous attend. Ça fait beaucoup de choses. En attendant, nous allons pouvoir démarrer notre gala avec les grands élèves. Sur le thème des quatre saisons, nous allons commencer avec l'automne en première saison et en introduction, la danse classique. Je vous souhaite un très très bon spectacle et je pense que pour encourager nos élèves sur le deuxième spectacle qui toujours ont le tract, on peut peut-être faire quelques applaudissements pour démarrer.